monde est sur My Restaurant, mon restaurant sur Roblox. Aujourd'hui, on va faire de la cuisine. Donc voilà, j'ai un employé avec moi. Voilà, je me suis transformé en Maïté. Monsieur Big Game. Hey, Jim Oogly, bienvenue à mon restaurant. Bah non, c'est le mien du coup. Y'a un problème là. Je vais te montrer les alentours. Next, laissons entrer quelques customers. D'abord, tu dois open ton restaurant. Ouvrir. Ok, c'est ouvert. Oh, y'a un Père Noël, waouh. Regarde, tu as un client, donne-leur une chaise en interacting. Ah bah ils ont pas de chaise en fait, ils mangent debout. Ok, vas-y je t'en prie, assis-toi. Ton client est en train de décider quoi manger. Lorsqu'il est prêt, prends sa commande en interaction. C'est le temps de cuisiner. Interact avec le order stand pour commencer à cuisiner. D'accord, ça cuisine tout seul, c'est lourd. Non, il faut que j'aille cuisiner. Ok, j'ai rien dit. Un œuf au plat, c'est parti. Ça cuit tranquillement. 5 secondes. Ça a l'air délicieux. Bah j'ai rien fait. Ok, hop là. Voilà, bon appétit. Tu as complété ta première commande, bravo. Pendant que les clients mangent, laisse-moi te montrer le Big Shop. Le Big Shop est là où tu vas acheter des trucs pour ton restaurant. Tu peux acheter des meilleurs meubles, des meilleurs appareils, des décorations chic et plus. C'est le temps de se faire de l'argent. Ramasse-le avec les Dirt Dish. Tu l'as mérité. Ça marche. Dirt Dish, c'est ça? C'est quoi ça? Je suis dessus là en fait. Ça marche pas. Ah, ok, faut que je ramasse l'argent, ok. C'est bon, hop, direction la vaisselle. Super travail, j'ai oublié. Maintenant que tu as obtenu un peu d'argent, tu peux engager un employé pour t'aider dans ton restaurant. Tu peux engager un serveur ou un cuisinier, c'est ton choix. Ok, on va engager un serveur. Pas cher parce que j'ai pas d'argent. À la prochaine, passe un temps. Great, dans mon restaurant. Mais non, mais c'est mon restaurant. Ok. Ah, lui, il va les faire asseoir. Ok, tranquille. Ok, il leur passe les commandes aussi. Et moi, je dois les cuisiner. Ah, c'est super, c'est top. Bienvenue en tout cas, bienvenue, bienvenue, bienvenue. Hop là, bon appétit madame. Là je fais ma petite cuisine. Les petits plats. Oh oui, ils mangent beaucoup les gens là. Un sandwich. Sandwich. Ça c'est quoi? C'est des spaghettis à la bolognaise. On va le laisser travailler, il est payé pour ça. Ok, il est niveau 1. David, David, tu fais un super boulot David. Et moi je récupère l'argent, ça tombe bien. Bah t'attends quoi? J'ai pas d'argent pour toi David. En plus il s'est barré, je suis mort. Ok, acheter une table. On peut acheter des étages, wow. Attends, on peut avoir 10 étages dans son restaurant? Quand même. Personnel, bah ça c'est les employés. Recettes, on peut acheter des nouvelles recettes. Oh là, il y a beaucoup de commandes. Au spaghetti, des spaghettis, un hamburger. Ça cuit, ça cuit, ça cuit. Ça arrive, attendez, attendez. Je vous donne ça tout de suite. Enfin, moi je vous donne rien, il va vous servir. Hein. Il est payé pour ça quand même, le boug. Moi je me contente de cuisiner, il n'y a rien à faire. Dis-moi les gars, calmez-vous. Oh, ça va, vous mangez bien vous? Ok, un tacos. Ça cuit, ça cuit. Ah, je vais engager personnel. Je vais engager un cuisinier. Comme ça, j'ai rien à faire. Bon, bah, je vais les laisser faire du coup. Bon, bah, je vous laisse bosser, les gars. Moi, je vais au magasin. Hein. Vous inquiétez pas. Boutique. Ok, on peut y aller direct. Waouh. Bah, et restaurant. Il y a des images et tout. Ah ouais. Vendre item. On peut vendre des objets ici. On peut acheter des trucs. Des jukebox. Des bornes d'arcade. Waouh. Ah ouais. C'est stylé. C'est des vrais trucs. Une vraie chaise gaming. Paquet gamer. Ouais, il y a des meubles et tout. Paquet royal. Wow. Ah ouais. Ah ouais. On peut faire des vraies décorations. Oh là. Oh, il y a des arbres à clochettes. Totem épique. Oh, une machine à sous. 767 000 $. Après, on peut faire un casino. C'est plus un restaurant. Donne les bonus aléatoires à chaque utilisation. Coûte 10 000 $ par essai une fois chaque 10 minutes. Ah non, mais c'est que pour moi. Puis, au souhait doré, te donne un vœu aléatoire chaque heure. Il y a aussi une chance que tu sois super chanceux. Ouais, Arcade Machine Pet Simulator Edition. Oh, c'est trop bien. Les clients peuvent jouer et obtenir de meilleurs scores qui génèrent plus d'argent. Machine à bonbons, les clients ont une chance de laisser tomber de l'argent sur les bonbons. Thème du restaurant moderne. Thème du restaurant pirate. Thème du restaurant château. Thème du restaurant paint house. Thème du restaurant le futur. Mais c'est stylé! Bon alors, les gars, ça bosse? Ça rapporte, on dirait. J'ai 200 $. Hop là, je vais les aider un peu à bosser là. Faut bosser les gars, faut y aller, faut aller. Et il faudrait que j'achète des tables. Mais j'ai pas d'argent, je suis pauvre. Ok, je vais direction la boutique. Et on va acheter ça. Alors il faut que je trouve une table et des chaises pas chères. Moins 20%. Ah ouais, bah c'est les soldes. Les... on va acheter ça. Ok, c'est trop cher. 200 000 $. Cuisinière luxueuse. Luxueuse, dorée et incroyablement rapide. Chaise bas de gamme. Ok, on va acheter la table. Ah bah ils vont me donner de l'argent si j'achète. Ok, on en achète 3. Acheter n'importe quel évier. Évier bas de gamme, 150 $. Ça coûte cher, moi je te dis, ça coûte cher. Je vais attendre d'être payé là, comme ça je l'achète. Après on a le l'évier basique, l'évier double, le lave-vaisselle. Et après on a le lave-vaisselle luxueux. Et c'est énorme! Direction mon restaurant. Je vais poser, tac, ma petite table, 3 chaises. Hop là. Voilà, comme ça je peux accueillir plus de clients.
Les gars, je crois qu'ils oublient de récupérer mon argent là. Il faut pas oublier l'argent, les gars. Il est niveau 4, David. Ah ouais, ils rigolent pas. On va retourner acheter un évier. Parce que j'ai vraiment besoin d'un évier. Évier bas de gamme. $150. Acheté. Ok, il faudra que j'atteigne le niveau 2. Et après que je serre 15 clients. On va ajouter un évier du coup. Je vais mettre mon deuxième évier ici. Voilà. C'est quoi ça? D'accord, c'est les étages. $4500, l'autre étage. Wipe. Hop là, un client, un client. C'est une cuisinière qu'il va me falloir. Ok, je vais chercher cuisinière. $150. Ok, je peux en acheter une. J'en achète une. Vendre item. Et on peut revendre des objets, d'accord. Eh, salut toi. Ça va ou quoi? Mais attends, t'as un taureau sur l'épaule, là. Ah, on peut vraiment faire des restaurants de fou. Ouah, il est une tour, le mec, quoi. Ah, là, ça s'enchaîne. Là, ça va très, très vite. Donc, David, niveau 3, niveau 4. Et Preston, niveau 3. Et après, on va avoir vraiment beaucoup de personnel, quoi, jusqu'au niveau 50. Nouvel objectif. Un coup de main. Moi, je vais les aider, je pense que c'est ça. J'ai aucun employé qui s'appelle Walter. Ok, je vais visiter. Sûrement trouver quelqu'un qui s'appelle Walter. Bon, bah, je vais les aider, je pense que c'est ça. Bah, il va où, le cuistot, là? Tu vas en pause? Hop là. Qu'est-ce que je vous sers, messieurs? Ah là, je fais très bien le travail moi-même. J'ai $379. Meubles. Table. Si, ça va peut-être un peu gêner. Niveau augmenté. Tu as déverrouillé. Deux nouveaux plats. Ouais, je préfère acheter celle-là, en acheter deux. Allez, même trois. Ça, on va en acheter deux. Ok, alors là, je suis vraiment bien équipé. Mettre ma table à pareil. Ah, là, va falloir que j'agrandisse. Effacer. On va faire ça comme on peut. Allez, installez-vous, installez-vous, je vous en prie. Ok, je vais vous aider, les employés, parce que là, je pense que vous pouvez plus suivre. Celui-là, on va le changer de place. On va le mettre ici. Meuble. Voilà. Ah, là, ça cuit très très bien, là. Là, ça cuit très très bien. À l'étape, j'aurais dû les mettre encore plus loin, ça aurait été plus facile. Ah, mais je peux mettre des chaises ici, mais je savais pas. Et dès qu'ils sont partis, je vais prendre les chaises, je vais les mettre ici. Alors là, je fais de l'argent. Ok, j'ai $450, ça va super vite. Ok, j'embauche un nouveau serveur. Ah, ce qui est bien, c'est qu'on paye qu'une fois. Du coup, c'est pratique. J'ai perdu $450 quand même. Plus de chaises, acheter 8 chaises. Et j'en ai acheté beaucoup des chaises quand même. Ah bah, je vais en acheter d'autres, je vais les mettre ici. Eh non, c'est moi qui récupère l'argent. Dès que j'ai assez, je prends un cuisinier aussi. Sert 30 clients. Ok, je vais acheter des chaises. Il me faut 2 chaises. Dans le magnifique magasin. J'ai acheté 2 chaises. Combien il me faut pour acheter un nouveau cuisinier? $425. Allez, c'est parti, la cuisine. Parce que lui, il sait pas trop mettre les fours en marche, j'ai l'impression, ce cuisinier. C'est vrai que j'ai des nouvelles recettes. Et ces recettes-là me rapportent plus d'argent. Niveau 2, je peux faire des croissants et des hot dogs. Ah, il y a un maximum de recettes. Dommage que recette niveau 50. $525. Attention, je vais acheter mon nouveau cuisinier. Il commence à avoir du monde dans mon restaurant. Voilà, les cuisiniers, vous gérez. Vous allez pas mettre 3 heures pour... En fait, ils cuisinent vraiment le plat, quoi. Bon, je reviens. Bougez pas, je reviens. Je vais acheter une cuisinière. On va s'acheter de bonnes cuisinières. Je vais m'acheter que celle-là. Parce que j'ai pas d'argent. Aubaine quotidienne. Jusqu'à nouvel ordre. VIP seulement. D'accord, les VIP peuvent avoir des moins 20%. Ok, je m'achète la cuisinière régulière. Plat. Je vais aller vendre le reste. Je sais pas si on peut revendre au même prix. Par contre. Alors, combien ça se revend tout ça? 30. Ah bah non, je vais les garder du coup. Ça se revend vraiment pas cher, quoi. Sauf que là, je vais plus avoir de place. Mettre un deuxième ici. On peut faire comme ça, ouais. Allez, je vais vous aider. Ça ira plus vite. Ok, faut que j'engage un cuisinier. Mais j'en ai engagé un il n'y a pas longtemps. Personnel, cuisiner. $750. Ok, bon, on va essayer. Allez, on enchaîne les clients. Bienvenue, bienvenue, messieurs. Bienvenue, bienvenue. Voilà, voilà, ça cuisine, ça cuisine. Personnel, alors, on a serveur David, niveau 8. Serveur Bob, niveau 4. Cuisinier Preston, niveau 7. Jacques, niveau 2. Oh, il y a plein d'argent de partout. Là, on est pas mal. Voilà, 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 on remplit les cuisinières. Ah, c'est un four en fait, c'est un vrai four ici, ça charbonne. Allez, c'est parti, c'est parti. Ah, il y a de l'argent, excusez-moi monsieur. Niveau augmenté, tu as déverrouillé des poulets. Il y a beaucoup d'argent sur les tables. Décor. Et comme ça, comptez sur moi pour récupérer mon argent, y a pas de problème. $2400. Attention, $2431. Santa est entré dans ton restaurant. Non mais attends, mais what? What? C'est vraiment le Père Noël en fait, c'est un truc de fou. Oh, il y a des cadeaux. Wow. Ok, je vais le servir correctement. Il va bien manger, le Père Noël. Mais il y a des lutins, what? Ah là, faut que je les aide. Allez, asseyez-vous, les lutins. Je pense qu'ils vont bien, bien payer. Allez, mangez, monsieur le Père Noël, mangez. Le Père Noël, qu'est-ce qu'il va me donner? Ouais, ces lutins, ils sont tous partis. Je crois qu'ils mangent bien, le Père Noël. $1200, ah ouais, il paye. Ah, il paye très bien, le Père Noël. Bah merci, monsieur le Père Noël, ça fait plaisir. Tu m'as vu dans le ciel, les gars, je suis comme c'est.